Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Watch Dogs 2 sur PC, chers amis. Vous l'entendez, je suis encore malade, encore une fois un grand merci aussi à Hélène pour m'avoir offert le jeu, c'est vraiment sympa de sa part et puis vraiment avec tout ce qui va derrière. Franchement, merci à lui et merci à chacun d'entre vous de suivre cette série pour ceux qui la suivent. Moi, je m'amuse beaucoup sur ce jeu, on va quand même faire un petit peu d'histoire, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme quête? Où est-ce qu'on en est au niveau des quêtes? Ah, c'était un message, ok, d'accord, je crois que j'ai eu peur sur mon PC l'espace d'instant. Défi écarte, faux profit, la fin de Bloom. Défi écarte, c'est quoi ça? C'est bizarre, ça m'intéresse pas plus que ça. Parole d'homme. Un peu de peinture. Ah oui, la mission pour Citara. Ok, on va aller voir ça. On va aller voir ça. C'est où? 2 km? C'est parti. Hop, on freine un peu. C'est bon, ça passe. Je commence à gérer un petit peu le pilotage. Bon, après un petit peu de temps. Je dis ça et je loupe mon virage complètement, c'est pas grave. Tourne. Hop. Ou alors. Oui! J'ai enfin pu le faire! Dégage! Dégage plus vite par contre. Hein. De l'eau! De toute façon, il va falloir qu'on se mette à l'histoire principale aussi, violemment. Non, on va plutôt gérer l'histoire principale, chers amis. Parce que je sais que ça vous ennuie un petit peu quand je fais du papillonnage. Comme dirait un certain Bob Lennon. Hop, plus 96 000 followers, ça peut être cool. On est loin? Ah bah merde, on est parti dans vraiment un mauvais sens. Bon, c'est pas grave. C'est quoi ce bug de collision? Ah, je voulais passer par-dessus, mais j'ai pas réussi. Quel dommage! C'est pas vraiment toi que je visais, mais merci de t'être garé, c'est sympa. Ok, bon. Je suis toujours malade, je suis désolé. Je suis désolé, chers amis, vous voyez, j'arrive même pas à parler parfois. C'est vraiment violent. Hop. On est bon. Ah, j'avais peur de sauter et de louper le virage. Aïe. Oh, le cerisier. Oh là là, la vache. Le cerisier en fleurs. Quelle violence au niveau de ma voix. C'est terrible. J'ai la voix qui part en couille. Merde. Non, pas maintenant, je viens de commencer une vidéo. Sutro Tower. T'es où? C'est où? Ah, elle est juste à gauche, merde, j'ai pas vu. Deux secondes. Hop. Appareil photo. Ah, pas au volant, c'est ça que t'es en train de me dire. J'étais pas au volant. Hop là. Je tire la gueule, c'est pas grave. Hop. C'est pas comme ça que je voulais le faire. Nouvelle pause déverrouillée, cool. Salut, voilà, hashtag physique moisi. Mais c'est pas grave, on aime quand même le jeu. Dégage, c'est ma route. Je suis l'aigle de la route. Dégage. Dégage. Voilà, c'est fait. Dégagez de mon chemin. Blah. Frein. C'est bon. Hop. On s'en recharge pas très vite en bas. Hein. L'avantage, avant que je puisse hacker les voitures, en fait, je pouvais hacker le pilote dedans. Et du coup, je pouvais récupérer des points. Maintenant, je peux plus, j'ai l'impression. C'est casse-couille. Excusez-moi. Alors là, c'est le début de la fin. J'avais 3 vidéos normalement à tourner cet après-midi sur Watch Dogs 2. Et je vais les avoir dans le fion. What? Oh, les beaux osios.
Vous voulez pas... Ah si, c'est eux qui gueulent, non? D'accord, et donc si je prends, imaginons... Ah, ils y perdent des plumes, mais à part ça... Rien de bien méchant. Ok. Bon, on y va. Hein. J'attendais un truc un peu plus intéressant. Je me suis viandé. Allez, grimpe. Ah, t'es pas un cheval de Skyrim. Ah, t'es pas un cheval de Skyrim. Ok, quel dommage. Et calmez-vous. Calmez-vous. Tu te calmes. Yo, les filles. Mais calmez-vous, je suis sur ma... Je viens de me garer. Bon, c'était quoi le site Scootix qui était à côté, qui était intéressant, là? Alors, Scootix, c'est quoi? Excuse-moi, je... Cartographe Noodle. Donc un mec qui se balade avec une grosse tête bizarre sur son dos. Là-bas! Oui! Je t'ai vu! Je t'ai vu, mon ami, je t'ai vu, t'inquiète. Putain, alors s'il se balade toute la map, j'ai vraiment du bol. Hein. Attends, l'ami. Bonjour! Tu veux bien que je te prenne en photo, s'il te plaît? Non, tu veux pas. Hop! Ok. Merci quand même. C'est pas grave. En fait, t'as pas voulu que je te prenne en photo. T'es un connard. Fais dodo. Quelqu'un est blessé, faites venir une ambulance! Hein? Oh! Mauvais, dis donc. Je vais pas t'endormir. Merci, voilà. Je suis vraiment mauvais. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de revenir sur la manette maintenant. Je joue beaucoup PC et... Enfin bon. Là n'est pas la question. Allons-y. Hop, démarrer la mission. Mais 7 minutes qu'on papillonne quand même, Marcus. C'est pas bien. Encore. Oh là là. Ils arrêtent pas chez Galilée. Moi, je suis ici. Jimmy Siska. Je suis incognito. Ok. Ouais, impressionnant. C'est beau, hein? J'ai vécu dans le péché. Et c'est l'heure de la confession. Ouais, mission danger 3. Si ça, c'est pas un classique. Classique. Désolé, je pensais pas que t'étais fan à ce point-là. Ouais. Avant, ouais. J'ai sacrément merdé, pas vrai? C'est bien, il écoute ses fans. C'est un thème récurrent chez moi. Mais il est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Ah, t'as des couilles apparemment, donc c'est cool. Et maintenant? Enfin, en y réfléchissant, peut-être pas maintenant tout de suite. Je suis pas vraiment sûr de pouvoir retourner là-bas. Y a pas de souci. Dites-moi ce que je dois trouver, je m'en occupe. D'accord. Bon, niveau quiz, tu viens de perdre les points que tu viens de gagner, c'est okay, pas grave. Tu verras. Il y a un ascenseur qui amène au sous-sol. Au sous-sol, il y a une pièce, et à l'intérieur de cette pièce, il y a d'anciennes tablettes sumériennes qui auraient été gravées par le visiteur lui-même. Le visiteur? Un visiteur, venu d'ailleurs. Je t'assure qu'il déconne vraiment pas. Ok, ok. C'est bon, je vous crois, c'est parfait. Bon. Par contre, j'entends strictement rien, alors c'est parce que je suis peut-être sous à côté. Si t'as besoin de mon truc. Chose, n'hésite pas. J'enlève le bonnet. Tu veux pas qu'on demande à quelqu'un plutôt? Non, c'est bon, laisse-moi regarder tranquillement, ok? J'ai la carte juste ici. Ah! La vieille menace. Ok, les mecs, je vais entrer dans le temple de New Dawn. Jimmy Siska vient d'accepter de dire quelques mots pour notre vidéo. On est prêt. Maintenant, on attend juste que tu récupères le trésor. Fais gaffe aux serpents surtout. Il y en a toujours des serpents. C'est pas ce genre de temps. Désolé. Les serpents, c'est de la merde. Je ferai gaffe. Il se croit dans Indiana Jones, l'autre. Vive la pop culture. What the fuck? Et je survis à tout ça, hein. Ok. On y va.
Qu'est-ce que... Ah oui, non, d'accord. Okay. Bon, bah c'est ouvert, hein. Ok, donc je vois du piratage à faire, du coup on va y aller. Ok. Donc là je peux pas descendre parce que justement il faudrait que je pirate. Oh, excuse-toi. Ok, peut appeler des renforts, peut appeler des renforts. Prendre, d'accord. Excusez-moi. Oh, ça va être chiant, c'est... Des belles bagnoles, tout ça, dis donc. Ok, donc il va falloir que je rentre manuellement, je crois. Oh. J'ai rien dit. Il y a moyen de rentrer autrement. Ok, bon. Allons-y de manière classique. Hop, c'est quand même joli. Hein. C'est quand même très 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 joli. J'aimerais trouver un endroit en fait, où je peux me planquer. Voilà. Et on va envoyer le jumper. Hop. Ok. Terminal pare-feu, il est dedans. Et il est plutôt bien planqué. Là, je peux pas passer, j'ai pas de petit passage. Je m'attendais à avoir un petit passage quelque part, mais non. Hop, ok. Allons-y. Peut-être en passant par derrière, voilà, vous voyez, dans ce genre d'endroit. Non. Apparemment, non. Hop. Excusez-moi. Ok, c'est ouvert ici. Hop. Ok. Ça, c'est bon. Ok, cul de sac. Et là, on descend. Descend plus bas que prévu, cela dit. Mais ce n'est pas grave. Ok. Je ne suis pas peu fier. Ah merde. Mais j'ai été plus loin de tout à l'heure. Faut que je me bouge. Il faut que je me bouge. Ok. C'est pas un gros arbre là. Hop. Ah, j'ai tué personne pour le moment. Je dis bien pour le moment. Hop, ok. Ici, c'est bon. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ok. Ok. Je peux donc remonter ici. Oh, il se met à pleuvoir, merde. Heureusement, je suis waterproof. T'es un méchant, toi. Oh non, c'est pas vrai. Hop, merci pour la clé. Arrête de faire genre, y'a personne. Ok. Donc ça, c'est fait. Y avait de l'argent en bas, hein. Me semble-t-il. J'ai pas pensé à prendre l'argent.
C'est dommage qu'il n'y ait pas de boost de vitesse là-dessus. Hop. J'ai pas pensé à prendre l'argent, on y va. Hop. Crac, ça c'est bon. Ça fait du bien par où ça passe, comme on dit. Hop. Alors. What? Pourquoi la caméra a changé? Bizarre. Encore un truc bizarre. Prendre, il y a une peinture là-bas à prendre à 80 mètres. Hop, je suis passé, c'était juste. Ça va être en sous-sol. Intéressant. Est-ce que je vais pouvoir aller jusque là? Ouais, je m'en doute un petit peu. Va falloir que je m'approche. Comment je vais m'approcher? Dans le bâtiment, je suis con. Hop. Je suis stupide. Hop. Voilà, là j'ai gagné de la distance. Ok. Alors, je voulais descendre moi à la base, je voulais pas passer par là. Là je peux pas parce qu'il faut débrouiller la passerelle réseau. La passerelle réseau qui est donc bel et bien en dessous. Donc j'ai loupé quelque chose quelque part. Allons-y. Allons-y, allons-y. Ah bah non, c'est ici. Vais-je avoir la distance nécessaire? Apparemment oui. Hop, peinture pour les véhicules. D'accord. Hop, ok. Ça c'est bon. Hop, heureusement il monte les escaliers. Ça c'est fou. Oula. Bonjour mon bon ami. Mon téléphone il peut pas exploser. Non par contre je peux te piquer ton fric. Oh. Allez, va faire ce que t'as à faire. Eh ben non, tu n'as rien vu. Rien vu, rien entendu. Ok. La suite. Faut que je puisse descendre normalement. Comment je pourrais descendre là dans ce bâtiment? Mais non, tu n'as rien vu. Tu m'as complètement perdu de vue. Pas de passage par là. Pourtant, il y a bien un endroit où il faut que je descende. Très étrange. Hop. Fuite. Alors, est-ce que ce serait par là? Non, apparemment non. Par contre, ce que je peux faire, c'est aller planquer mon personnage là-bas. Hop. Vu que ça fait tellement de bruit, peut-être mieux qu'il soit là-bas. Hop. Ok, on est bon. Le problème, c'est que je sais pas du tout comment on fait pour aller en dessous. J'en ai pas la moindre idée. J'ai plein d'idées pour monter. Bonjour.
Ok. Va comprendre. Je sais pas trop ce que j'ai fait. C'est parti. Hop. Ok, il y a du boulot. Et là, ça va pas être du facile. Ok. Du coup, je peux débloquer là-haut. Ah non, pourquoi? Oh, d'accord. Ok. 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 D'accord. Je commence à comprendre plus ou moins ce que le jeu veut que je fasse. J'arme la porte parce qu'apparemment il y a du danger. Hop. Ok. J'ouvre là-haut. Non, c'est pas là-haut que je suis. Voilà, ici. Hop. Ok. Et j'ouvre là. En ouvrant là, je peux peut-être ouvrir ici. Non, tu me vois pas. D'accord, ok, le relais, d'accord, c'est ce relais-là. Ok, là je peux ouvrir ce relais-ci. Et donc ici, en fait, en faisant ça, je peux ouvrir là. Merde. Hop, ce qui m'envoie normalement un truc. Mais tu ne me vois pas, cesse de faire en sorte que tu me vois. Et le nœud qui est ici, puis le nœud qui est là. Réseau interne déverrouillé, oula. T'es quand même pas sérieux là. Hop, voilà. Ça doit être l'ascenseur de Jimmy. Hop. J'ai déverrouillé l'ascenseur caché. Attends, c'est quoi cette phrase? C'est vrai. On descend, on descend, on descend. Bienvenue au cinquième niveau de New Dawn. Félicitations pour votre élévation spirituelle. Du coup, j'ai vachement de portée hein, d'un seul coup. Hein. Je veux pas dire, mais... Examinez les tablettes. Do not touch. Ah! C'est à moi d'y aller. Merde! Hop. Je le rappelle. Voilà. Ok. C'est du charabia, du charaba religieux, pardon. Excusez-moi. Donc par là, ça m'intéresse pas. Oh là là. Il est mal fichu ce mec. Ok. Tu reçois un coup de tel. Hop, ok. Et on est bon. On rentre dans le truc comme si c'était... très simple. Bon. Bon, bon, bon. On va être à 25 minutes d'épisode. On y est. Effectivement, l'infiltration, c'est sympa. Je confirme. Ok, salut les filles. Ok, c'était ici. Parfait. Alors, dis-moi tout. Vous avez devant vous ce que New Dawn a de plus précieux. Ce sur quoi repose leur religion tout entière. Une série de tablettes sumériennes vieilles de plusieurs millénaires. Il y a tout un tas de trucs chelous ici, mais ça alors, ça... Ça, c'est spécial. J'espère que t'es pas en live, hein. Parce qu'ils vont le remarquer vite. Hein. Pourquoi elles sont pas dans un musée? Et puis, qu'est-ce qui leur donne le droit de les cacher à la population? Enquêtons ensemble.
Ça dit pas toucher. Mais j'ai vraiment envie. Allez, juste un petit peu. Allez, quoi. Tout ce patrimoine culturel. J'ai tellement de chance d'avoir ce privilège. Oh, 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 non, non, non. C'est non, du non, plastique. Ah, même pas, c'est pire encore. C'est fausse. C'est une grosse arnaque. Les gens qui rejoignent New Dawn, qui paient des millions pour pouvoir les voir, alors que c'est du pipeau. Aussi pipeau que leurs promesses. Oh la vache. Ouais. Ça fait du bien. Allez, je me tire. Ok. T'as cassé, tu l'as tout cassé. Oui, merci. Ok, cool. Site coûte à proximité. Dis-moi que c'est ça. Ah non, c'est juste le temple. De base, ça aurait été tellement rigolo de les voir casser. On va s'échapper, cher ami. Je fais juste un petit truc. Je vais aller faire un truc. Hop. Voilà. Parfait. Ok. Allons-y. Hop. Alors. Nous y sommes. Est-ce qu'on va se faire agresser? Non, c'est bon. Approchez. Contemplez. New Dawn. Petsec a décidé d'enquêter sur l'église de New Dawn et a découvert le crime et la corruption à l'état pur. Ils achètent des quantités astronomiques de données personnelles pour mieux cibler leurs ennemis. Ils savent vraiment tout de vous. Nous nous apprêtons à dévoiler tout ce que nous avons appris via nos canaux habituels. Lisez, vérifiez. Vous arriverez à la même conclusion que nous. New Dawn est une organisation criminelle qui intimide ses propres membres, détruit leur vie et s'empare de toutes leurs économies. Ne nous croyez pas sur parole, voici notre invité. Salut tout le monde, moi c'est Jimmy Siska. Vous me connaissez, j'ai joué dans des films à succès avant de me faire laver le cerveau par New Dawn et qu'il me force à dire tout un tas de conneries. Quand mes amis ont remis en question les pratiques pourries de l'église... T'es plus Siska égale Love. Forever. On m'a enfermé dans une pièce toute bizarre contre mon gré. Ne vous inquiétez pas, la police a déjà ouvert une enquête. Mais alors, qu'est-ce qu'elle veut cette église? Qu'est-ce qu'il y a dans les sous-sols? Mes amis de Dead 5 vont vous montrer la vérité. Oh là 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 là. Deadseq vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Ah là 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 là, ça marche. Hey, alors les gars, allez, pas la peine de nous remercier. Ah, elle était bien cette mission. Je me suis amusé. Oh oh, je suis pas au bon endroit. Allez. Ramasse ton arme, on y va. Hop. Oui, bien sûr. Cette translation. C'est pas grave, vous pouvez continuer à appeler les filles. Hein. Moi, je vais être parti avant même que vous me recherchiez, que vous me retrouviez. C'est ça leur alarme? Non, ça c'est les flics. Ok. Salut! Oh! Oh! Merci! Tu peux sortir s'il te plaît? Voilà! Allez, salut! Oh non, mais pas la voiture dégueulasse! C'est pas la faction qui me recherche. Donc vous voyez? Hop! Wouh! Comme les flics me recherchent pas. Je pouvais passer devant eux sans le moindre problème. Ça c'est pas génial par contre. La prise en compte d'une autorité multiple. Ça c'est un truc par contre qu'il faudrait que GTA commence à faire. Ce serait peut-être pas mal. Ok, mission accomplie. Cool. Allez-y madame. Avec son jogging. Excusez-moi. Oh là là, ça va pas. Ok. Bon. Sans doute avoir un petit truc derrière qui vont nous parler. New Only Dawn. Sympa. Ok. Alors, vas-y, dis-moi tout. Oh, je teste le bruit de cette voiture. Bon, attendez, j'ai des points de recherche à mettre. J'en ai 8. 8, 8, 8, ça peut être sympa. Piratage de véhicule, j'ai quoi? Le boost pour 4 points. Ensuite, je peux avoir le piratage de masse des véhicules.
Économie de botnet, d'accord, ok. D'accord, ok. J'ai commencé par prendre le boost parce que c'est sympa à mon avis. Hop, merci. Ici, adresse au tir. Rechargement plus rapide. Portée du pistolet paralysant. Je le prends. Voilà. Bon. Hop, ça c'est fait. Pas de nouvelles infos sur une mission prochaine? Ok, bah du coup, on va se laisser là, chers amis, pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour ton aventure. Salut les gens et yo!